Hey, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme M Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, de base, je voulais faire une vidéo de voyance. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué. Donc, c'est sur Top Chef, hein. Donc, avant de disliker, écoutez-moi, c'est sur Top Chef. On parle bien de Top Chef, hein. Alors, je voulais faire une vidéo de voyance, en effet, où voilà, je voulais faire un tirage. Mais comme j'ai mes petites préférences, j'aime les trois candidats. C'est la première année que je tiens à dire ça, les trois candidats demi-finalistes sont fantastiques, que ce soit Mallory, que ce soit Adrien ou que ce soit David. Voilà, les trois sont magnifiques. Mais maintenant, j'ai ma petite préférence, voilà, pour, je vais le dire, David. Et du coup, voilà, je ne veux pas me faire influencer, mais j'adore les trois. Pour moi, ce sont les trois plus méritants. Alors, au niveau, je vais donner mon avis, c'est une prédiction du coup, c'est pas une voyance. Moi, je trouve que voilà, les trois ont un super niveau. Après, l'épreuve, tout va jouer sur l'épreuve de Mallory ce soir. Et pour moi, je sais pas, soit j'ai un ressenti, il s'en sort très bien à cette épreuve, ce qui mettrait ex aequo les trois candidats, ils se départageront sur une autre épreuve et là, Mallory aura du mal. Ou soit il se loupe sur cette épreuve et il laisse la chance de un des deux autres de gagner. Du coup, il remporterait pas son point. Les deux candidats, Adrien et David, ont un niveau exceptionnel, un niveau de chef gastronomique déjà. Moi, j'ai un ressenti sur Mallory éliminé. J'aime les trois. Hein. Et voilà, c'est même si ça, voilà, j'aime les trois. Je vous jure. Donc pour moi, Mallory serait le candidat éliminé ce soir. C'est comme c'est un ressenti que j'ai, après je peux pas le confirmer à 100%, on verra bien. En tout cas, je tenais à faire quand même cette vidéo, elle me tenait à cœur. Et voilà, si vous voulez que je fasse une voyance sur la finale de Top Chef la semaine prochaine, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'ai aussi prévu de faire un tirage sur la voyance sur la finale de The Voice. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous souhaitez la finale de The Voice. Et aussi, du coup, voilà, il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment, mais il y a une autre émission que je voulais faire, mais je me rappelle plus du nom de l'émission, hein, ça me reviendra. Moi, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, très belle soirée à tous et à très bientôt.